1300 garçons et filles sélectionnés parmi 27 000 jeunes sapeurs-pompiers lors des concours régionaux se sont retrouvés à Verdun pour le grand rassemblement technique national. Donc aujourd'hui le but, c'est se faire plaisir, c'est comme d'habitude. Vous vous faites plaisir, vous vous éclatez sur le terrain. Imaginez, il y a 3 ans, le SDIS et l'Union départementale de la Meuse ont créé l'association JSP Verdun 2016 afin d'organiser cet événement dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre. C'est la battue ! La journée a été labellisée par le GIP Centenaire. C'est la seule manifestation pompier aujourd'hui labellisée par le GIP Centenaire et donc figure dans le calendrier mémoriel national, ce qui est quand même relativement intéressant. Et l'objectif est bien d'associer l'œuvre de mémoire à l'esprit d'équipe, au respect et à la convivialité, des valeurs que tout le monde partage ici. C'est la joie, enfin, on est content. En fait, on ne veut pas finir premier. Enfin, on veut finir premier, mais on veut avant tout s'amuser et passer le bon souvenir. De nous. Bah, ça représente 2 années pratiquement de travail qu'on a fait avec notre adjudant-chef. Et on est fiers parce qu'on représente le département de la Moselle. On représente notre ville et nos sapeurs-pompiers en même temps. Mission 1, BAT 1, établissement d'une première lance. Mission 2, BAL. Alimentation d'une division mixte avec emploi du dévidoir. Au-delà de la rigueur des manœuvres de secourisme et d'incendie, les jeunes, leurs accompagnateurs et parents ont pu découvrir une exposition unique sur les pompiers et la Grande Guerre, mais aussi une reconstitution de scènes figées par des bénévoles en costume d'époque. Rien que pour la France, 1 400 000 hommes ont été fauchés. Donc, je vais vous faire un briefing vite fait. Donc, on va mettre 2 lignes de 5 personnes par circuit, par départ. Le challenge André Sibué s'est articulé autour d'un parcours ludique, orienté sur le même thème. On a aussi, peut-être, ce qui n'est peut-être pas représenté là, tout l'engagement citoyen aussi des jeunes qui portent des valeurs et qui sont de vrais bénévoles aussi sur des manifestations. On a des jeunes sapeurs-pompiers qui sont aussi membres du comité d'organisation et qui sont bénévoles sur les concours de manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers de Verdun. Donc en fin de compte, on est vraiment sur une belle représentativité de ce qui se passe en France dans les sections. C'est un sentiment de fierté, mais aussi quelque part un peu de responsabilité parce que nous contribuons à l'éducation de cette jeunesse pour en faire les citoyens de demain. Qu'ils soient d'ailleurs sapeurs-pompiers ou qu'ils ne le soient pas, parce que quelque part le vécu qu'ils ont reçu pendant ces années de GSP, ils le garderont toute leur vie. À 15h, alors que la compétition se termine, le ministre de l'Intérieur se présente sur le complexe du Pré-l'Évêque pour s'associer à l'événement avant de se recueillir à l'ossuaire de Douaumont en souvenir de celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté. C'est une immense émotion pour moi que de vous voir aujourd'hui si nombreux, réunis avec nous dans ce lieu ô combien symbolique de l'histoire de notre pays et plus largement de l'histoire de l'Europe. Vous êtes de beaux exemples pour les autres jeunes Français et d'une manière générale pour l'ensemble de nos concitoyens. Plus tard, dès la nuit tombée, cette journée se termine sous un spectacle rempli d'émotions. Le son et lumière de la bataille de Verdun retracent 300 jours et 300 nuits d'aventures humaines, bien différentes de celles que les jeunes sapeurs-pompiers vivent 100 ans plus tard et qu'ils ont pu nous faire partager durant ce rassemblement.